Ben écoutez, une population déterminée, beaucoup d'effervescence, et cela témoigne tout simplement que les Saint-Louisiens ont vomi Macky Sall. Les Saint-Louisiens en ont ras-le-bol de ce système, de ce pouvoir qui aujourd'hui est en train de montrer aux Saint-Louisiens. Macky Sall a montré à la population saint-louisienne qu'il n'accorde aucune importance à nos problèmes. Absolument. Je vais vous faire la démonstration. Vous savez, en 7 ans, c'est plus de 22 000 milliards de budget. C'est plus de 22 000 milliards de budget qu'on a donné à Macky Sall. Et vous savez, pour régler le problème de la langue de barbarie, on n'a pas besoin de 70 milliards pour le faire. Donc ça veut dire tout simplement que les problèmes de la commune de Saint-Louis ne sont pas pris en compte par le président Macky Sall. Et du coup, cette population est déterminée à sanctionner le régime de Macky Sall et ses affidés. Ce qui est clair, c'est que l'engouement, la détermination, tout ce qu'on a pu voir dans les rues de Saint-Louis avec cette procession qu'on a organisée en attendant l'arrivée du président de la coalition, ça démontre tout simplement que Saint-Louis est aujourd'hui déterminé à élire le président Idrissa Seck au premier tour. Et Inch'Allah, je suis sûr... Le combat, c'est quoi exactement, Bougane? Pardon? Le combat, c'est quoi exactement, le défi? Mais le combat, c'est d'abord de le déboulonner. Aujourd'hui, le premier combat, c'était de faire en sorte qu'il y ait une union autour d'un seul candidat. Je crois qu'aujourd'hui, la dispersion des forces a été évitée. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que le candidat de la coalition ILI 2019 a polarisé le maximum d'attention possible. Aujourd'hui, Idrissa Seck a au moins 15 candidats sur les recalés. Ça veut dire que c'est un record. Et ce qui est important, c'est que c'est la première fois qu'une coalition aussi importante est ficelée dans l'histoire de la politique, en tout cas dans l'histoire politique au Sénégal. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que les populations sénégalaises en ont ras-le-bol de Macky Sall, en ont ras-le-bol. Ils nous avaient promis une gestion, sobre et vertueuse. Malheureusement, on a une gestion sombre et vertigineuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'avoir du sang neuf, et ce sang neuf sera incarné par la coalition ILI 2019. Cas de violence dans la campagne, vous regrettez? Mais écoutez, moi j'ai toujours été contre la violence. Vous savez, la violence, c'est l'arme des faibles. On en a eu tout de suite un cas au niveau de Darou. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas les arguments qu'il faut. Mais de manière très claire, moi, ma parole et en tout cas le message que je lance à tous les Sénégalais, c'est de refuser d'être des chairs à canon pour les politiciens. Refusons d'être utilisés, refusons d'être manipulés, utilisons notre seule et unique arme, c'est la démocratie, c'est donc nos cartes de vote. Et donc du coup, le 24 février, on fera notre max pour déboulonner Macky Sall, et ce sera au premier tour.